Bonsoir à tous, un voile de nuages élevés et des particules de poussière en suspension dans l'air ont limité l'éclat du soleil pourtant dominant aujourd'hui. Les averses sont également restées rares, passons à l'image satellite. Image sur laquelle on peut voir le temps globalement clément qui règne sur les grandes Antilles et le nord des petites Antilles alors que les nuages sont bien plus nombreux au sud. En effet, c'est un temps perturbé avec des averses orageuses qu'ont connu Trinidad, Tobago, Grenade et la côte sud-américaine. La Martinique, elle, s'est retrouvée dans un entre-deux avec un temps généralement sec mais sous un ciel chargé en nuages de haute altitude inoffensifs. On note des cumuls peu significatifs sur les dernières 24 heures, compris entre 0 et 8,2 mm, notamment pour Font Saint-Denis. Ce soir, le temps reste globalement calme sous un ciel voilé et quelques ondées circulent. Au cours de la nuit, elles peuvent être localement modérées, mais sont généralement courtes. Les minimales, quant à elles, seront de 25 degrés. Demain et après l'évacuation des quelques gouttes matinales, c'est une belle journée ensoleillée qui nous attend. En effet, la brume de poussière se dissipe progressivement et l'atmosphère devient plus agréable et plus respirable. Tout au plus de courtes ondées arrosent les hauts mornes du nord de l'île dans l'après-midi. Maximale prévue, 31 degrés. D'est à nord-est, le vent est faible à localement modéré et souffle de 10 à 20 km h en moyenne. La mer, elle s'amortit en Atlantique et dans les canaux, elle demeure tout de même agitée. À localement, peu agitée près de la côte avec des creux moyens de 1,20 m à 1,50 m. En Caraïbe, elle est belle à la côte et peu agitée au large avec des creux moyens proches de 1 mètre. Cap maintenant sur la baie de Fort-de-France, où les pleines mers sont attendues demain à 7h37 et 16h14, les basses mers ce soir à 23h56 et demain à 9h59. L'astre solaire, quant à lui, nous fera honneur à 5h55 pour disparaître à 17h45. Et quel temps pour le reste de la semaine Eh bien vendredi, c'est le soleil qui domine, à peine contrarié par la présence de quelques ondées en journée, aussi une légère brume de sable est de retour en fin de journée, le vent faible accentue la sensation de chaleur et favorise également les bonnes conditions en mer. Samedi, le temps est un peu moins clément que la veille. En effet, les éclaircies alternent avec des passages nuageux plus fréquents et qui donnent quelques averses, notamment sur le relief et la côte caraïbe dans l'après-midi. Le vent demeure faible et la mer est belle et peu agitée. La journée dominicale s'annonce faible en vent, ce qui favorise des développements nuageux à partir de la mi-journée, principalement sur le relief et la côte caraïbe. Ailleurs, les éclaircies sont prédominantes. Lundi, enfin, on attend des maximales élevées et des averses éparses devraient intéresser toute la Martinique, notamment l'après-midi. Et direction Miami pour notre tour du monde du Mercure, c'est là-bas qu'il a fait le plus chaud avec 33 degrés de maximale. On se retrouve dans un court instant pour la météo des cyclones. Restez avec nous.